Alors aujourd'hui, on va déterminer expérimentalement la quantité de CO2 qu'il y a dans le cola et dans le cola light. Alors pour ça, on a fait une manip un peu originale, un peu sympa. Alors du coup, venez voir par là. Ok, donc là, on va d'abord commencer par remplir deux éprouvettes d'eau qu'on va faire tremper dans la bassine en essayant de ne pas vider l'eau qu'il y a dans les éprouvettes initialement. Et on va relier la sortie des deux canettes de cola par des tuyaux à l'intérieur. Donc au fur et à mesure du temps, le cola va se dégazer et le gaz va passer dans le tuyau et chasser l'eau qui va retourner dans la bassine. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer pour que le gaz s'échappe plus vite, tout simplement. Et au bout d'un moment, on a le niveau de gaz ici qui va stagner. Donc c'est à peu près, après l'avoir fait plusieurs fois, c'est à peu près au niveau d'un litre. Ben quand ça va stagner, on va pouvoir arrêter, ça voudra dire qu'il n'y aura plus de gaz dans les canettes de cola. À partir de la mesure de ce volume, on va pouvoir faire un petit calcul appuyé sur le modèle des gaz parfaits pour déterminer la concentration en dioxyde de carbone dans le cola. Voilà, donc au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer les canettes de cola assez régulièrement pour chasser le gaz plus vite, pour pas que la manip dure trois plombes. Donc ben, pour secouer mes canettes, je vais appeler mon collègue, hein, on va voir si tu peux venir. Allez. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand on va agiter doucement, ça va dégazer beaucoup plus vite. Ah oui, effectivement. Hop. Et on remet au chauffage. Et ça, c'est pas fini, ça. Et on secoue. On secoue. Il est bien utile, le collègue. Sacré collègue. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Enzo? Ben maintenant, ben on va aller torcher le calcul. Grâce à un traitement statistique après avoir fait plusieurs fois la manip, on obtient des incertitudes de 0,05 pour le cola et pour le cola light. Finalement, ces deux mesures, compte tenu de leur incertitude, ne nous permettent pas de montrer que l'une des deux boissons est plus concentrée en dioxyde de carbone que l'autre. Donc pour expliquer la différence de taille des geysers entre le cola et le cola light, on a pu voir dans les publications de certains chercheurs que cette explication pouvait se voir dans la cinétique de formation des bulles qui peuvent s'expliquer dans la viscosité et la tension de surface. Donc maintenant on va se tourner avec Enzo dans les mesures de viscosité et de tension de surface dans la suite de notre étude. Et alors où est-ce qu'on va pour faire ça? Ah ben là on va descendre au labo de physique. Alors finalement, ces deux mesures, compte tenu de leur incertitude... Alors finalement, c'est...